Je m'appelle Emeline Dumont, j'ai 28 ans et je travaille à l'entreprise Vitrail France du Mans. Alors, mon métier consiste à créer et restaurer des vitraux. Donc, pour la création, il y a une équipe de chantier qui dépose les panneaux sur place, qui les ramène à l'atelier. Une fois que nous les avons à l'atelier, nous les nettoyons et nous regardons pièce par pièce les choses qui sont à coller, à changer et à restaurer. Donc en fait, là, nous sommes en train de travailler sur la rose de la Sainte-Chapelle de Paris. Donc c'est une rose du 15e siècle. Et donc, nous restaurons les panneaux. Donc en fait, nous les dessertissons, nous enlevons les plombs qui sont autour des verres et nous restaurons, collons toutes les petites pièces qui forme le panneau. Donc pour faire du vitrail, donc le métier de vitrailliste, il est possible de faire un simple CAP, donc en alternance entreprise-école. Par contre, moi j'ai une formation assez particulière, j'ai fait un diplôme universitaire pour être vitrailliste. Donc, le diplôme m'a formé à tous les métiers du vitrail. Les avantages de ce métier, c'est le fait de voir des choses précieuses que peu de personnes au monde peuvent voir, puisque nous avons les pièces vraiment en visu et de très près. Nous travaillons sur des panneaux anciens aussi, donc à partir du 13e siècle, nous avons des panneaux, même déjà du 12e, on a eu des panneaux du 12e siècle aussi. Donc c'est vraiment un métier de passion. Il faut être minutieux. Les inconvénients de ce métier, c'est donc comme un métier de passion, il ne faut pas faire ce métier-là pour gagner énormément d'argent. On n'en gagne pas énormément. Et donc après, il faut faire attention et se protéger parce que comme nous travaillons avec le plomb, on peut avoir le saturnisme.